Maintenant, tu peux accélérer un petit peu ton exercice. Le reste, les poignets fonctionnent, les mains sont bien mises, les baguettes sont bien respectueuses. C'est très bien. Essaye un peu de travailler cette baguette comme tu travailles très bien l'autre. Ça va? C'est-à-dire ton mouvement poignet. Ça va? Allez. Et là, voilà, ce que je viens de voir là, si je le vois de l'autre côté, c'est comme Arthur, et Justin, c'est parfait. Et on va déjà former quelques tambourins en tant que professeur particulier à Auchin, donc chez moi. Ben, il se fait que j'avais 3-4 élèves et c'était plus possible à la maison. J'ai eu la chance de pouvoir avoir l'accès à la salle du café Le Rondeau, donc sur la grande place de Binge, où j'ai commencé en avril 2004, si mes souvenirs sont bons, avec 4 ou 5 élèves. Et là, je pense que je suis tombé dans un engrenage où le bouche à oreille a très bien fonctionné. La qualité du travail était là aussi et je n'ai pas su, j'ai eu du mal de refuser les enfants. Donc l'école a évolué crescendo pour en arriver tout simplement à ce que je suis maintenant avec mes élèves. Mais c'est clair qu'à la base, il n'y avait pas réellement d'intention de créer une école de tambour. Mais bon, voilà. C'est toujours frapper deux fois ici. Tu frappes deux fois là, c'est très bien. Là, tu ne frappes qu'une fois et tu profites du rebond de ta baguette. Ça a toujours compté pour moi, le folklore et le tambour, tout petit que j'étais, il n'y avait que ça qui comptait. Hein, d'ailleurs, mes parents n'avaient pas beaucoup de complications à me punir, en me punissant sur le tambour, ben j'étais bien, bien puni. Mais le début, soit assez amusant, je crois que j'ai commencé à jouer du tambour avec quelques copains. Nous avions fait des tambours sur des fûts de lessive, en ce temps-là, les fûts d'Ixan, et on faisait le tour, et on avait fait des baguettes avec des tuyaux de... Les tuyaux électriques. Et on faisait le tour du village comme ça pour s'amuser. Bon, ensuite sont arrivés les premiers tambours. Parce que bon, moi je n'ai pas eu la chance que beaucoup de jeunes ont maintenant d'avoir un polo derrière. Moi, mes parents n'avaient rien à voir avec cet instrument. Donc j'ai dû tout créer moi-même. Puis est arrivé le premier tambour. Déjà avant ça, il y avait joué sur la table, joué sur le fauteuil. Puis sont arrivés les premiers dépannages, les premiers sous-bons, à gauche, à droite, dans les carnavals, les petits carnavals de la région. Et puis les différents contrats dans ces petits carnavals. Mes débuts à Binge, après avoir joué dans les carnavals du village où j'ai pris du bon temps, franchement, plus de 20 ans à Givry, Foreux, Sténoval, Sténomont, où je suis toujours, mais enfin bon, j'en passe. Et tout en avançant, bien sûr, j'ai eu la chance de faire la connaissance de personnes, de tambourins intéressants ici à Binge, des chefs de batterie, des garçons comme Éric Dupuis, des garçons comme Danny Barra, comme Christian Glotz. Et oui, ben, je pense que cela a été qu'a commencé un long combat pour moi. Je sais pas pourquoi, peut-être bien que j'avais peut-être pas la conduite idéale, mais bon, j'ai eu... Il m'a fallu 4 tentatives pour que réellement on me fasse confiance ici à Binge. Et à chaque fois, j'avais une barrière où c'était le chef de batterie qui voulait de mes services, mais ses tambourins ne voulaient pas de moi. Ou c'était les tambourins qui voulaient de moi et le chef de batterie ne voulait pas de moi. Enfin bon, ça a été très compliqué. Voilà, j'en ai pas toujours un bon souvenir.
Tout ça est rentré dans l'ordre maintenant, mais bon, j'ai eu la chance d'avoir en 2003, je pense, une scission dans la batterie des Incas, où Bertrand Sénaff et Christian Glotte se sont retrouvés dans l'urgence de créer une batterie. Et c'est là que tout a commencé pour moi. Ils m'ont fait confiance. Et on en est là maintenant. J'ai dû énormément travailler socialement pour m'intégrer. Je suis très bien accepté ici à Binche. D'ailleurs, je pense que 4 ans plus tard, Bertrand Sénat ayant stoppé ses activités, les Incas, comme les membres de ma batterie, ne se sont pas posé 36 questions et c'était automatiquement Polo qui est devenu chef de batterie aux Incas grâce à un travail que j'ai dû faire sur moi-même, un travail social et ben voilà. Je pense que si je suis devenu ce que je suis devenu, je ne le dois qu'aux personnes qui m'ont fait confiance et surtout à cet instrument qui est le tambour. Donc à partir de là, je me suis donné de donner le maximum, tout ce que je peux faire, tout ce que je peux apporter, je l'apporterai. La deuxième chose, c'est de pouvoir trouver la force de continuer le plus longtemps possible à mettre du pétillant dans les yeux de ma petite tête blonde en leur enseignant tout ce que je peux leur enseigner sur cet instrument car il y a beaucoup à apprendre tant sur le personnage que sur la méthode que sur l'instrument. Il y a une facilité dans ce que je fais pour eux, c'est que je pense qu'à l'intérieur de cette carcasse, il y a toujours ce gamin de 10 ans qui s'amuse autant que ses élèves à leur donner coups de tambour. Voilà.